Alerte, ça brûle! Le monde du travail, quand il devient trop oppressant, fait apparaître le spectre du burn-out. En France, les statistiques révèlent une réalité alarmante. 34% des travailleurs seraient touchés par le burn-out, soit environ 2,5 millions de personnes. Le syndrome d'épuisement professionnel n'est pas qu'une simple fatigue, c'est l'épuisement à la fois psychique et physique, résultant d'un stress chronique et persistant. Le burn-out se met en place en 4 étapes que tu dois identifier pour en sortir. La première, c'est l'enthousiasme d'aller au travail et l'équilibre de vie pro et perso. En gros, tout va bien. Le deuxième, c'est la stagnation. Tu as moins envie d'aller travailler, tu n'as plus le même engagement. Ça devient un petit peu dur. Puis vient la troisième étape, celle de la frustration. Tu connais des troubles du sommeil, une perte d'intérêt, voire une désillusion sur ton travail. Et enfin, la dernière étape, l'épuisement, c'est-à-dire le craquage. T'en peux plus. Est-ce que tu arrives à te situer dans l'une de ces étapes ? Envoie cette vidéo à un collègue avant qu'il arrive à la dernière étape.